Bonjour, moi c'est Alice Gagnon, j'ai 11 ans et je fais du cheerleading. Alice, comment c'est arrivé le cheerleading dans ta vie? Ben, en fait, j'ai arrêté la gymnastique un an après ma sœur Cassandra. Les deux filles faisaient au préalable de la gymnastique. Cassandra a arrêté plus tôt la gymnastique. Elle a commencé le cheerleading là, par une de ses amies. Puis elle m'a dit, ah, ben, si c'est super le fun, tu pourrais venir essayer une fois avec moi. Puis finalement, j'ai fait des essais, puis j'ai été dans une équipe. Alice a décidé, un an plus tard, de laisser la gymnastique. J'ai fait une pratique avec ma sœur, puis j'ai vraiment aimé ça parce qu'il n'y avait pas juste la gym. Mon appareil préféré, c'était vraiment le sol. Donc, j'aimais ça gymer, puis pas avoir d'espace restreint comme les bords ou la poutre. Ça a été pour elle comme instantané, là. On va commencer avec un échauffement gym qui va dire pour appel rondade deux fois dans ta diagonale. Okay, Alice, n'oublie pas, monte, rentre dans ta demi. Après. OK, squeeze les fesses jusqu'à la fin. Encore moins de tête dans ton lèvre. Okay. Là, la demi est un petit peu trop tard dans celle-là. OK, rentre vraiment un peu plus tôt, reste squeezé jusqu'à la fin puis réceptionne comme il faut. Prends le temps de cleaner ta ligne. Si je me fie à ce qu'on est ici, ça a bien été. Ouais, celle-là, c'est la recrue de l'année. Je sais pas, c'est peut-être la personne qui s'est démarquée. Alice a un talent exceptionnel en gymnastique, mais sa personnalité aussi. Alice, ça trouve le moyen de faire rire les plus vieilles, de motiver les plus grandes dans l'équipe. OK, on fait le passover du côté à casse. Elle va prendre les deux mains. Dans la section pyramide, elle est au milieu, elle sourit, elle est belle à regarder, elle est élégante. Je la trouve vraiment bonne parce que, tu sais, elle est toute petite. Tu sais, on penserait jamais comme qu'une petite fille de 11 ans de même ferait ça. Puis la voir faire ça, genre, ça m'inspire aussi. Là. Pas mal certaine qu'un jour, Alice va se rendre au championnat du monde. OK, filles, concentrez-vous, placez-vous, on commence. Position dans l'équipe, c'est voltige? Ouais, c'est ça. Fait que les voltiges, c'est les plus petites, donc c'est ceux qui se font monter en haut. Qu'est-ce que t'aimes dans la voltige? Ma mère dit souvent ça, là, mais je suis un petit lion. Fait que j'aime ça être en avant. Mais c'est comme un manège à la ronde. Tu te fais lancer, puis t'es habitué de tourner quel bord, de parler position, puis ça va. 7, 8, 1, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 5, 7, 1, 3. Vous êtes combien dans votre équipe? 23. 23 à être. Donc, vous devez être proches l'une de l'autre. Ouais. On veut pas que ça soit le spectacle de Alice. C'est un sport d'équipe. Tout le monde a des forces différentes dans l'équipe. Puis ça crée vraiment des beaux liens d'amitié. C'est ça que je crois que j'aime aussi. Donc, la force de l'équipe fait toute la différence. En fait, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que t'aimerais dans le futur? Il y a une grosse compétition qui s'en vient? Ouais, à Orlando. Pas nécessairement de gagner, mais juste d'y aller, ce serait vraiment cool. Bien, je te souhaite la meilleure des chances. Puis moi, je regarde un peu votre terrain de jeu, là. J'ai spoté la trampoline. Moi, ça me parle. On y va-tu? OK. OK. Y a des techniques vraiment particulières. Est-ce que tu veux me montrer? Ouais, comme le bac à l'arrêt, admettons. OK. Dans d'autres domaines, on part simplement avec un balancé. Tu sais, au cheerleading, c'est comme une croix. Hop, balancé, bac. Là, on va faire un décompte. Fait que ouais. De 5, après ça, à 1, on croise. 2, 3... 4. OK. 1, 2, 3, 4. OK. Fait que c'est comme ça, comme ça, comme ça. 1, 3. Je peux pas faire ça. Si je mets mes bras de même, j'ai l'impression que je vais tourner en dessous de mes bras. Non, parce qu'après ça, tu fais pas nécessairement ça de même. Tu pousses, tu fais un rond. 2, 3, 4. Et à la fin, il faut se relever puis cliner. C'est ça. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4. Ça marche. Ouais, mais remarque la technique aussi. Ça fait pareil.
Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.